C'est un certain challenge de développer la musique classique dans des quartiers difficiles. Et nous nous sommes dit, finalement, le plus simple, c'est de passer par l'école, parce que l'école, tout le monde y passe. Et donc, c'est une façon d'accéder à la population. Mais moi, ce qui me passionnait, c'était de faire venir les populations qui ne sont jamais sorties de chez elles, qui, culturellement, n'ont accès qu'à la télévision. On voulait qu'il y ait au moins la moitié des enfants originaires de ZEP. Donc, dans la ville nouvelle de Saint-Quentin, il y a deux quartiers où il y a beaucoup de ZEP, c'est donc Trappes et La Verrière. Des gens m'ont dit, très avertis, « Oh là là, vous y pensez pas, ils vont se taper dessus, parce que les petits du bois de l'étang, ils vont aller se castagner avec les petits des merisiers, et puis sur scène, ça va faire désordre. Il dit, « on va prendre le pari. » Alors nous avons des intervenantes musicales qui viennent dans les classes une fois par semaine et les enfants petit à petit commencent à apprendre par cœur la partition. Et Pierre-Michel Durand, qui est un chef d'orchestre, vient dans les classes au début pour expliquer l'œuvre. Au début, dans les classes, si vous voulez, parfois au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'attention. Les enfants décrochent, ils n'arrivent pas à tenir. Et puis là, ils vont devoir faire tout un spectacle sur la scène, mais ils sont les artistes. Il y a à peu près 400 enfants qui chantent, plus l'orchestre, plus les solistes. Ils ont une énergie considérable qui est rarement canalisée. Et quand la musique et un projet comme celui-ci permet de canaliser, je peux vous dire qu'en face de moi, j'ai une attention qui est exceptionnelle. Une fois qu'ils sont sur scène, ils suivent le chef au doigt et à l'œil. Et je dirais que moi, c'est un des éléments les plus étonnants de cette expérience. Vous avez les premières répétitions au théâtre, là c'est assez étonnant parce que c'est un lieu, la grande majorité d'entre eux n'y a jamais mis les pieds et là même des enfants très très dissipés, très agités, quand ils rentrent dans le théâtre ils ont un coup, ils sont un peu bluffés. Les parents viennent au théâtre, très souvent pour la première fois dans une salle institutionnelle, dans un, on pourrait dire, un temple de la musique. Et ils viennent voir leurs gamins chanter, puis finalement ils assistent à un spectacle, et puis ils voient des extraits d'opéra, et ils pensaient être exclus de la musique classique, pensaient que ce n'était pas pour eux. Et en fait, ils s'aperçoivent que peut-être ces salles leur sont accessibles, et peut-être qu'ils vont vibrer à la musique, et en fait c'est un peu ce qui se passe. Ces gamins-là, qui étaient en difficulté scolaire, eh bien maintenant, il y en a qui sont en école de chant. Il y en a, il se faisait virer des collèges les uns après les autres. Eh bien, il est rentré dans un collège, il prend des cours de chant et il est sorti d'affaires. Il y a des enfants qui, au collège, maintenant, à l'école, au collège, chantent des extraits d'opéra. Alors, vous imaginez avant ce qu'on pouvait penser de l'opéra dans les collèges ou même dans les écoles. C'est un lien social extraordinaire parce qu'on fait quelque chose ensemble et on fait quelque chose avec son corps. On n'a pas besoin d'apprendre une technique, d'apprendre à jouer de la flûte, à jouer du hautbois. Là, c'est par son corps. Plutôt que d'aller souffler dans une flûte à bec, ce qui a dégoûté je ne sais combien de collégiens de la musique, on voulait amener les enfants au top niveau de ce qu'ils étaient capables de faire.
on se rend compte que maintenant, que les enfants qui sont passés par ces expériences ont un comportement complètement différent. Je crois que ça leur donne aussi un sentiment de reconnaissance, peut-être. Un tout petit peu de confiance, mais bon, c'est une petite pierre hein, seulement. Mais peut-être les petites pierres sont importantes aussi. Dernière petite pirouette qui m'a toujours fait sourire, c'est qu'on m'a dit « Mais pourquoi vous embêtez à faire de la musique classique et les gamins de trap ?» Les gamins de trap, vous leur faites faire du hip-hop, vous leur faites faire du foot, mais pas la musique classique. C'est à Versailles, la musique classique. Alors d'abord, à Versailles, ils ont sorti des groupes de hip-hop absolument extraordinaires. Et puis d'autre part, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un Rostropovitch en herbe qui serait à trap ou à la verrière. Donc ça, pour moi, c'est un point fondamental.